C'était en 2019. Le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines faisait 157 morts. La ministre éthiopienne des Transports, Dagmawit Moses, a rendu ce vendredi le rapport final des enquêteurs éthiopiens qui rend le constructeur américain Boeing responsable de cet accident mortel. Une défaillance du logiciel de vol aurait rendu l'avion incontrôlable. The airplane's left angle of attack, or AOA, le capteur situé sur la gauche de l'appareil, aussi appelé sonde d'angle d'attaque, qui donne l'angle de vol de l'appareil, a été défaillant immédiatement après le décollage, envoyant des données erronées au système de contrôle de vol. Ces données erronées ont déclenché le système MCAS qui a fait piquer du nez l'avion à plusieurs reprises jusqu'au point où le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. Dans un rapport de 2020, les enquêteurs éthiopiens avaient souligné que la conception du système MCAS le rend vulnérable à une activation indésirable. Boeing aurait caché intentionnellement ses défauts de conception. Au cours de nos investigations, les données et les informations recueillies auprès de l'administration fédérale de l'aviation, de Boeing, d'Ethiopian Airlines et de l'autorité de l'aviation civile éthiopienne, nous avons constaté que Boeing n'a jamais discuté publiquement du capteur d'angle d'attaque et des erreurs de conception électrique, ni informé le bureau d'enquête sur les accidents de cette erreur, l'erreur d'omission, et que Boeing n'a pas révélé de toute urgence et avec précision l'existence du MCAS aux opérateurs. Cet accident en Éthiopie était survenu moins de 5 mois après le crash dans des conditions similaires d'un vol 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts.